Si tu veux une recette originale avec des courgettes, alors regarde ça. J'ai fait des tagliatelles de courgettes avec des petites tomates cerises et des petits bouts de poulet bien dorés. Tu dois absolument tester ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes pour le réaliser. D'ailleurs, pour ne louper aucune recette, n'oublie pas de t'abonner. Pour les ingrédients, il te faut une bonne courgette, des tomates cerises et un beau filet de poulet. On va commencer par laver les tomates cerises et on les met de côté. Pareil pour la courgette, on la lave vraiment bien parce qu'on va garder la peau, ça sera plus joli. On coupe les extrémités et avec un économe, on va faire de belles lamelles dedans. On les réserve dans un grand bol pour la suite. Passons au poulet. J'enlève la peau et les nerfs et on va le couper en petits cubes ou en fines lamelles. Fais comme tu en as envie. Ensuite, je prépare du poivre, du sel et du thym, mais tu pourras aussi rajouter de l'ail ou de l'oignon par exemple. Quand c'est fait, on va pouvoir le faire cuire. Tu peux mettre de l'huile d'olive ou du beurre selon tes goûts. Moi, j'ai opté pour le beurre. Quand le poulet est bien doré, je vais ajouter les tomates cerises entières et nos belles lamelles de courgettes, puis le thym. On va bien mélanger le tout et hop, on couvre avec un couvercle pour 5 petites minutes. Le moment du dressage, je commence par faire une petite montagne de tagliatelles de courgettes et je viendrai disposer par-ci par-là des petites tomates et du poulet. Pour finir, j'ajoute un petit peu de jus de cuisson, j'essuie les giclures avec un sopalin et à la toute fin, je remets un petit peu de thym, de sel et de poivre. Et voilà, tu n'as plus qu'à te régaler, alors bon appétit et à bientôt !